Ouf, ah bah ça commence. Ouf, la voiture. Mais putain, c'est moche. Ça peut pas s'enlever ça. Non mais c'est quoi cet angle? Mais vous allez vous taper ça? Bah non. Ah je zoome, attends. Par contre il fait chaud là. Putain, qui m'a pas... pourquoi on m'a pas dit il faisait chaud? Genre là, là je suinte du cul là. Mais fous la clim quoi. Putain, les écolos en sueur. Ma mère, elle a pas mis la première là. Ma mère, elle laisse tout le temps la première quand elle s'arrête la voiture. Du coup, à chaque fois, je cale parce que voilà. Ah bah non, pas de musique. Quick shot de YouTube. J'ai dit pas de musique. Bah j'ai chaud. Ah mais du coup, on s'entend pas trop du coup. Ouais bah 2 minutes, je me rafraîchis et on parle. Ouais, je transpire des sourcils. Bon les guys, vlog en voiture. Ouais, je me perds déjà dans mes explications. Est-ce que tout le monde est bien attaché? Je mets ma ceinture, je vérifie mon rétroviseur. Ma soeur a eu son permis. Il y a de l'essence. Ok, wesh alors la race tranquille ou quoi? C'est ça les paroles, je ne sais plus. J'avais pas d'idée de vidéo pour cette semaine. Et je me suis dit pourquoi je crie. Et je me suis dit j'adore les FAQ. Tu demandes à des gens de te poser des questions parce que tu te prends pour je sais pas qui, j'adore. Et du coup moi je me suis dit avec mes 350 abonnés YouTube et à peine 100 vues que je fais pour chaque vidéo, je me dis il y a des choses à raconter. Du coup je vous ai demandé c'est tout ça les YouTube. Je vous ai demandé de me poser des questions sur Instagram. Bref, mais au final les gens ont joué le jeu car comment ils font les TikTokers? Ah je sais pas, je suis vieux, ça y est. En fait on peut le faire des deux manières. Mais je pense que c'est comme ça. Bref, première question. J'ai essayé de pas trop les lire. J'ai lu les premières pour voir s'il y en avait. J'ai lu les 3 premières et après j'ai arrêté de regarder parce que en vrai il y en avait pas mal. Et regardez, je suis connu hein. Les gens ils. Wouah, ça ne s'arrête jamais. Ça dit devoir faire 32 minutes. C'est quoi vraiment tes pires défauts? Ah, la voiture déjà. Take ta gueule. Pas très patient en ce qui concerne la conduite visiblement. Mes pires défauts. Mais je ne sais pas. Je suis parfait. Je déteste un peu le travail en équipe. J'arrive pas à bosser avec des gens en fait. Genre ils me saoulent très vite. Si on n'a pas les mêmes idées, ça peut me saouler très vite. Après ça m'arrange bien des fois. Ça m'arrange de plus en plus d'ailleurs parce que je deviens un petit peu flemmard concernant les travaux de groupe. Si je suis dans un groupe un peu merdique, je pourrais être la personne qui fait le travail pour tout le monde. Et là maintenant dans mes études on fait des travails de groupe à 16 personnes. Je sais pas si vous vous rendez compte. 16 personnes, je répète 16 personnes. Bon le vélo là, ça dégage. Donc 16 personnes, comment vous dire que imposer ses idées c'est un petit peu chaud. Donc je laisse faire et franchement je laisse couler tout en étant pas au-dessus de la limitation d'ailleurs. Ça c'est autre chose. Je suis quand même dans les gens qui travaillent le plus mais je suis pas l'instigateur de tout quoi. C'est quand le prochain stop que je puisse lire la question? Parce que du coup le rapport à la légalité de conduire et de regarder son téléphone, voilà quoi. Je vais où moi? Chez Leclerc, placement, merci. Quelle est ta couleur préférée? Ça répond. Coco, la limitation, nous sommes en agglomération, 54 km/h. C'est une vitesse non réglementaire. Moi j'aime bien les amandes, mais dans la bouche, pas dans le cul. On dévie là. Merci encore à tous ceux qui ont répondu, hein. Je l'ai déjà dit, mais je vais leur dire beaucoup. On va répondre à 2 questions en même temps. 4x6 au carré, et comment tu te définirais en 3 mots? 4x6, 20... 10 Siri. 24? Ouais, mais au carré. 24, 24. Non, mais là, 24 au carré... On va te faire foutre quoi. Nous on est là pour répondre à des questions sympas, bonne ambiance, et toi tu me poses du démat quoi. Merde, un moment. Prochaine question, donc comment te définirais-tu en 3 mots? Bah je viens de faire un CV là pour un job d'été, donc je dirais à l'écoute, empathique et respectueux. Non mais c'est un peu nul ça. Non je dirais, je sais pas ce que je dirais. C'est dur là, je suis pas un entretien d'embauche là. Faites pas chier avec vos questions. Là par contre c'est 50 Coco, t'es pas obligé de rester à 30 hein. Moi c'est tout l'un tout l'autre hein. On est à 12 minutes de vidéo, le mec a répondu à 2 questions. Super, ça commence bien, il y en a 45. Non mais 3 mots, je sais pas moi. Vous voulez pas, j'ai vu plutôt on fait un jeu avec la radio et on devine quelle musique c'est. Marine LB elle fait ça et moi je trouve ça drôle. Vas-y on fait ça, on next la question là, trop dur de réfléchir. Bah non mais du coup faut que je fasse mes pronostics avant que ce soit la musique, c'est pas logique sinon. Énergie c'est Amel Bent, ton nom. Moi je dis allez, l'artiste et la chanson carrément. C'est de la merde ce jeu. Prochaine question. Ah mais je vous ai même pas dit en fait, là je vais au supermarché parce que la semaine pro je finis mes partiels. Et après je peux vous dire c'est bonne fiesta quoi. Et fiesta, boum boum. Voilà quoi, donc faut des réserves. Aujourd'hui c'est pas un retour de course galette de riz et quinoa quoi. Ils font des Pringles bio. Clignotant il...
on redémarre pas en deuxième, Quentin. Oh, faut trouver une place. Pourquoi je viens en course un samedi, moi aussi, là? Hop là. Vous avez la tête dans le guidon, là, comme on dit. Anatomie semi-membraneux. Il s'insère sur la tuberosité ischiatique. Pourquoi j'ai arrêté la voiture? J'ai chaud la couenne. La clim. Tendon direct au niveau de la face postérieure. Et puis on s'en fout en vrai. Pourquoi je prépond premier degré, moi? Plutôt Dua Lipa ou Juliette Armanet? Faut pas me faire ça, madame. Non, ça, c'est des dilemmes de vie. Dua Lipa, c'est vraiment mon bébé depuis 3 ans, ouais, je pense. Et Juliette Armanet, c'est vraiment mon coup de cœur 2022. Donc, on va dire Juliette Armanet pour lui donner de la force. Parce que Dua Lipa, elle en a pas besoin maintenant. C'est bon, elle est... C'est une queen, là, même. Ah, mais je suis mieux, là. Il y a plus de lumière. Pourquoi je me mets dans l'ombre alors que je suis une star? Faut que je sois dans la lumière, bordel. Raconte-nous plus ta grande honte. Non, putain, je sais pas lire. Raconte-nous ta plus grande honte. Ouais, mais c'est des trucs, faut se poser pour réfléchir à vos questions, là. C'est pas du tac au tac. T'as fini tes partiels? Bah, qu'est-ce qu'on a à foutre, déjà? Je rigole. Bientôt, mardi. T'as réussi tes oraux? J'espère. Comment ça va? Ben, écoute, très bien. Beaucoup de stress ces dernières semaines, mais là, je commence à relâcher la pression. Je me crois en vacances alors qu'il me reste un oral. C'est mal. Qu'est-ce que tu vas faire de ton été? Déjà, je sais pas si je vais faire des vlogs de juillet. Je me tâte un peu. J'ai rematé un peu mes vidéos de l'année dernière et déjà, je trouve que c'est de la merde, qu'on soit clair. Je trouve en un an, il y a eu une évolution dans mon montage et dans ma réalisation qui est un petit peu ouf. Je sais pas ce que vous en pensez. Déjà, le fait d'avoir une nouvelle caméra, ça change tout quand même. Mais donc, je sais pas si je vais en faire parce qu'au final, avec le recul, je me dis, c'est des petites vidéos, genre 7-8 minutes. Et genre, en fait, il y a rien dans ces vidéos. Genre, je me filme en train de mettre du muesli dans mon bol, quoi. Mais je pense que j'aime bien ce petit rythme de une vidéo toutes les semaines, là, tous les dimanches, non? C'est sympa. Dites dans les commentaires ce que vous en pensez, wesh. C'est comme ça qu'on communique. Je pense, ouais, je vais faire plus des vidéos, des weekly vlogs. Une vidéo pour une vacance, quoi. Une vacance. Et je pars dans ces prochains jours. Donc, vous inquiétez pas, il y aura des vidéos. Plutôt le lait avant les céréales ou les céréales avant le lait? Non, mais je comprends pas déjà les céréales avec le lait. Qu'on soit clair, pourquoi du lait avec les céréales, ça les ramollit, c'est dégueulasse. Vous êtes qui, vous? Quel est ton plus grand rêve? Mon plus grand rêve, évidemment. Un chien. Enfin, pas devenir un chien, mais avoir un chien. Obtenir un chien. Posséder un chien. Être propriétaire d'un animal. Est-ce que Berk, ça te manque? Ouais, beaucoup. Surtout les gens qui y étaient. Mais ça va plus me manquer pour longtemps. Est-ce que t'as déjà essayé le yoga du rire? Excellent. Nouvelle question. Tu respectes les locaux? Toujours. Il fait beau chez toi? Bah écoutez, comme vous pouvez le voir. Elle est où ma voiture? Putain. Ah, c'est bon. Vous appréciez cet effort visuel? Encore un effet visuel, je ne m'arrête plus. Vas-y, 2-3 questions là. Sais-tu toucher ton nez avec ta langue? Non. Allez là, vous êtes un peu loin. Voilà, on se rapproche. Ta musique préf pour te mettre dans un bon mood? Bah, je vais vous la faire écouter, hein. Bluetooth. Ça marche, le Bluetooth? Celle qui me met dans un bon mood en ce moment, je pense que vous la connaissez pas. Hein. C'est le nouveau single de Julie Zenati. Moi, je suis très, très variété française. Au début, c'est un peu France Gall. Je me dis... Et après, ça part un peu... Arrêtez de me regarder, madame en face. Vas-y, déhanche. Bref, j'adore. Sinon, il y en a une autre que je kiffe. On est au Cambodge ou quoi? On est au Cambodge ou quoi là? Non, on est à Bar-le-Duc. 100-31, ça fait 69. Excellent. Tu vas faire kiné à Bar-le-Duc ou tu vas aller ailleurs? Bah, j'hésite un peu entre bar et dans ton cul. Mais je suis drôle. Mais faut me mettre de la lumière, messieurs, dames. Ah oui, ça c'est mieux là. Allez, encore une autre question. Ça fait 10 questions que je dis, c'est la dernière, mais encore une autre. Parce qu'on est bien là, il y a la clim, on est au frais. On n'est pas du tout au frais, je suis comme un bœuf. Comment évolues-tu dans le monde de la kiné? Tu te sens à ta place? Waouh, j'aime bien les questions spirituelles comme ça. Je me sens très fort à ma place. Quand je suis en stage, je m'épanouis, mais vous pouvez pas savoir. Après, quand je retourne à l'école, bon bah, il y a toute la partie théorie qui me pète un peu les couilles, on va pas se mentir. Mais faut bien passer par là. Est-ce que tu vis ce que tu imaginais être ton futur auparavant? Bah, en fait, j'avais pas trop d'idées de mon futur. J'ai su très tard ce que je voulais faire. Et encore, quand je me suis dit, vas-y, je veux tant de kiné, c'était pas genre une vocation. Je suis pas le mec qui savait qu'il voulait faire ça depuis l'âge de ses 8 ans, quoi. Comment t'es venue l'idée de faire des vlogs? Ah,
j'aime beaucoup cette question. Ça, c'est très bonne question. Alors, en fait, ça part de il y a longtemps. Parce que moi, à la base, je suis pas du tout audiovisuel, etc. Et en fait, j'ai une de mes meilleures amies qui est passionnée d'audiovisuel. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que en classe de seconde, on avait de la SES, sciences économiques et sociales. On devait faire des projets. Enfin, rien n'était noté. Hein. On devait faire des petits projets, genre des petites présentations orales. Donc, un diapo, en gros, classiquement. Mais nous, vas-y, notre pote, on était un groupe de 4 meilleurs amis et notre pote, elle nous a chauffé à faire des vidéos. Des vidéos, quoi. Et moi, à ce moment-là, je vous avoue, pourquoi les gens, ils viennent sur ma voie, là? Et moi, à cette époque-là, je vous avoue, genre, j'étais super casanier, genre, je voulais rien faire. Tout ce qui était extrascolaire, je m'en battais les couilles, je voulais juste avoir du temps pour regarder mes séries. Mais les gens, faut pas mordre la ligne blanche là. Si elle est là, c'est pas pour rien. Enfin bref, je voulais rien faire quoi. Donc faire des trucs qui nous prenaient des soirées entières après les cours, flemme. Hein, clairement, j'étais dans ce mood. Mais en même temps, je me suis dit, la seconde, c'est un peu l'année où tu fous rien. Hein, t'as aucun examen, aucun rien du tout en fait. Donc c'est un peu le moment de le faire. Et d'un autre côté, je pense qu'il y a une part de moi qui était trop inspirée par ce truc là et qui voulait trop en savoir plus. Tout ce qui est montage vidéo, réalisation, caméra et tout. Moi, j'étais plus dans la photo à cette époque-là. On utilisait mon appareil photo pour faire une caméra. Et donc, c'était trop bien. Je suis à 64 km/h et je suis en 5e. Et donc, on a fait une vidéo, ça a trop bien matché. Des vidéos de 30 minutes en plus. On faisait des scénarios, on a refait des remakes de dîner presque parfait avec des personnages. Enfin, elle avait vraiment une prod quoi. Ma meilleure pote, elle était super calée, tout ce qui était montage, elle avait un logiciel de malade et tout. Du coup, elle nous faisait des tutos sur comment utiliser les logiciels de montage parce que moi ça m'intéressait trop au final. J'étais trop dedans et puis voilà, on a fait plusieurs vidéos. Au total, je pense qu'on en a bien fait 5 ou 6 hein, dans l'année quand même. Et puis plus rien. Et puis voilà. Là, on est adulte, on a 18 ans, on passe beaucoup de temps sur YouTube et on aime beaucoup Lena Situation, Style Tonique et récemment Marine LB. Pourquoi je n'ai pas découvert cette personne plus tôt? Clignotant, Corentin, les gens vont t'insulter. En fait, j'étais très fan des vlogs d'août et on va pas se mentir, je suis très fan de la notoriété. Enfin, j'aspire à ça, je vais pas mentir. C'est un truc que j'aimerais bien côtoyer. Faudra peut-être que je fasse une psychanalyse pour savoir d'où vient ça. Mais donc, ouais, je trouve ça trop bien. Ce truc de faire une vidéo tous les jours. Et je sais pas pourquoi, vas-y, je suis passé de j'ai pas de chaîne YouTube à vas-y, je fais un vlog par jour pendant 31 jours. Et puis c'était trop bien, trop bonne expérience, j'ai trop aimé. Et puis du coup maintenant je fais des vidéos YouTube tous les dimanches quoi, quand j'ai des idées. En ce moment je vous dis à chaque fois, bon la semaine prochaine pas de vidéo, hein, je fais des révisions et tout. Et au final, ça fait 3 mois que je poste une vidéo tous les dimanches. Mais j'adore, c'est un passe-temps. Je préfère prendre du temps à faire ça que à regarder une série. Donc je me dis. Voilà quoi. Bon, y a pas de stop pour que je lise la prochaine question là, enfin, on va s'arrêter sur le bord de la route. Hein. Attends, j'ai pas le time moi. Ah si, en fait, si j'ai le time, j'ai que ça à faire. Est-ce que tu as déjà hésité à faire des concours ou des sponsors Insta douteuses pour percer? Comment vous dire que j'ai pas de proposition? A posteriori, qu'est-ce que tu penses du lycée? Incroyable, je vais y retourner demain. Est-ce qu'il y a besoin d'en dire plus? Non. Combien de temps te prend le montage d'une vidéo? Bah je vais de plus en plus vite, je vais pas vous mentir. Généralement, beaucoup. Ça se compte en heures, on va pas se mentir. Une vidéo de 15 minutes, généralement il y a entre 1 heure et 2 heures de rush. Déjà à tout se remater, il faut tout cutter, il faut tout mettre les petites écritures après. Faut adapter le son. Faut enlever le son sur les séquences où je mets de la musique et genre rassembler les séquences sans son qui sont juste pour une petite séquence belle là. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Tu m'aimes, Coco? Oui, je t'aime. Mais comment fais-tu pour concilier les vidéos YouTube et les cours? Angle mort, toujours. Attention, hein. Hop là. En fait, comme je viens un peu de le dire, je suis tellement passionné que je ne pense qu'à ça, c'est très grave. Hein. Mais genre là, j'étais en révision de partiel et tout. Et par exemple, pour ma vidéo de 21 ans là, normalement, si j'étais une personne sensée, je devrais travailler. Sauf qu'au final, j'ai pensé juste à faire une vidéo YouTube, je pensais qu'à ça deux jours avant. Donc à un moment, quand j'ai ça dans la tête, je peux pas me le sortir. Mais je suis désolé, hein, putain, mais vous allez me voir dans l'ombre pendant toute la durée de la vidéo, c'est un peu de la merde. Pourquoi le soleil il est pas là? Pourquoi j'ai pas un toit ouvrant là aussi, moi? Je me dis, putain, c'est du temps que tu perds sur tes révisions et tout. Et après, je me dis, coco, prends du recul sur tous les partiels que t'as déjà eu. On va pas se mentir que, genre, une journée de révision en moins,
est-ce que ça va vraiment changer quelque chose? Et là, je suis en train de passer mes examens et tout, et je me dis, putain, mais heureusement, t'as profité de ta vie. T'aurais juste perdu une journée de plus de ta vie à réviser, alors que ça aurait rien changé sur la note, hein, clairement. Parce que de toute manière, tu te feras toujours niquer sur le truc que tu n'aurais jamais révisé. Moi, c'est comme ça que ça se passe, hein. Donc faites votre vie un peu, hein. Bon, après, c'est des belles paroles, hein. Moi, je suis pas trop quelqu'un de stressé dans la vie. Les examens, ça me stresse vite fait la veille. Je peux mettre une demi-heure de plus à m'endormir que d'habitude, mais j'ai pas la boule au ventre. Je suis pas au bord de la crise de panique pour un examen, voilà. Et puis c'est surtout le fait que, genre, c'est du temps libre pour moi. Le temps que je passe à monter une vidéo YouTube, à la place, ouais, j'aurais regardé genre une série ou une vidéo YouTube. Mais là... vois pas. Donc c'est du temps libre. Tu m'en veux si j'ai pas regardé tes vidéos. Tu peux te désabonner tout de suite. Waouh, la surexposition, c'est pas bien de maltraiter les gens comme ça sur leur qualité d'image visuelle, physique. Délai de consolidation du scaphoïde. Scaphoïde, bah je sais plus. Putain, mon examen c'est dans 3 jours. Ton meilleur souvenir de 2021. Eh ben mes vlogs de juillet. Ça paraît encore con de tourner tout autour de YouTube, mais vraiment genre c'était ma révélation. Genre j'ai trop pris du plaisir à faire ça. Enfin mes vlogs, la création de ma chaîne YouTube en fait. Et un monsieur qui me regarde à gauche, je sais pas s'il avait qu'il y avait une caméra. Ah, arrêtez monsieur, ça me justifie. Oh ta gueule. Morito ou thé matcha? Ben Morito parce que moi le seul thé matcha que j'ai acheté, c'était un truc pas cher. Est-ce que j'ai besoin d'aller plus loin? Non, c'était dégueulasse. Comment tu trouves la motive de faire toujours des plats de fou? Bah... la vérité, c'est mon père qui cuisine. Non, après, moi, je fais beaucoup des desserts et des gâteaux. Pour ou contre les pignons de pain? Ah ouais, on tourne autour de la bouffe, là. Pour. Team pignon de pain. Team graines de courge. C'en est où l'appart avec ta sœur? Arrêtez de spoiler comme ça mes futures vidéos YouTube, hein. Faites en recherche. Comment tu vis le fait d'être kiné dans 3 ans? Alors déjà, je le serai dans 2 ans, donc évite de me faire redoubler une année. Ça serait pas sympa. À quand la page Insta spéciale kiné? Bah, je vais en rester à dire des gros mots sur ma page perso, hein. J'ai chaud, donc dernière question et après on sort et on rentre chez moi, hein. Parce que là, je pense que ma voiture, vous pouvez plus la voir. Est-ce que le fait d'être étudiant te plaît? Bah ouais, écoutez, j'ai la chance d'avoir des parents qui peuvent subvenir à mes besoins et plus encore. Je n'ai pas d'impôts à payer, pas de loyer à payer. Je n'ai qu'à payer, bah comme aujourd'hui, du prosecco pour faire une soirée. Donc bon, je pense qu'il y a pire comme vie, hein. Ta routine sport en semaine? Eh ben, quand je peux. 4 à 5 séances par semaine, je pense, en moyenne. Ventilateur, là. Je suis une star, moi. Beyoncé, Beyoncé. Je sais pas, tu veux au vent, c'est un peu nul. Tu veux que je te serve de cobaye pour les massages? Non. J'ai déjà assez de propositions comme ça, donc... à un moment, c'est bon. C'est pas parce qu'on est kiné qu'on fait des massages. Vous m'énervez. Nous, on prend de l'activité physique, donc si tu veux, tu peux faire mon cobaye pour une expérience sportive. Ok? Là, j'ai envie de les défoncer. Mais c'est pas pour aujourd'hui. On peut dégommer les pois chiches à la place. J'ai trop envie de graille, là. Mais il est pas l'heure de goûter, là. Il est quelle heure? 4h moins le quart. Ça passe, non? Y'a pas à faire cette tête en épluchant une pêche. Pourquoi tant de drama dans une seule personne? Regardez-moi, on dirait, j'ai peur de la pêche là. La pauvre pêche, moi je la. C'est la marave, wesh. Hop là. Faut peut-être me couper. Waouh. Non, faut dézoomer contre. Voilà. Oh! On dirait dans Mario Bros, là, quand Mario il a la casquette hélice. On va se poser un petit peu là? Bah par terre en fait, c'est bien par terre, non? Ah bah voilà, c'est mieux là! Je fais pas un peu pitié là? Tout seul dans le milieu de mon salon? Vous pouvez le dire là si je fais pitié? Vas-y! On va mettre un canapé, non? Je vous pose ça. Ça va se casser la gueule tellement fort. Je le sens bien, gros comme une patate. Mais vas-y, ça c'est moche l'imprimante et puis le cadre. Ça c'est les goûts douteux de mon père. Ah, je mets un beau plaid. Ça fait genre youtubeuse cosy. Youtubeuse cosy. Non, je fais genre. Est-ce que tu penses que Céline va bientôt t'appeler pour doubler ses concerts? I'm ready. J'ai un petit truc de Céline. Faut que je vous montre. Genre Céline, elle fait tout le temps ça. Je suis pas pour ce marron, c'est le temps d'un tiers.
On entend les cris des New York et les bâtons sur la scène. Voilà. C'est une très bonne imitation, non? T'aurais porté quoi au Met Gala? Rien. Non, c'était clair. Le costume de Manu Rios, là. On adore. Quel est le nerf le plus long du corps? Sciatique, non? Pourquoi ça me teste sur de la natte comme ça, là? J'arrête de mettre ma jambe comme ça, on dirait que c'est autre chose. Mais de la paille non plus, là, c'est pas ça. C'est pas bien. Dégage-moi ça du champ, là, on dirait un truc bizarre. Ton meilleur souvenir de Berk? Il y en a beaucoup, hein. Le restaurant asiatique, catastrophe, extrait. Ah, c'est là. Allez. Attends. Catastrophe. Tu te vois où dans 10 ans? Ah, je m'étouffe. Dans 10 ans, je me vois sur la Côte d'Azur, dans une maison vue sur la mer, au loin, avec un jardin, un chien. Dans 10 ans, ça ferait quoi ça? 32 ans? Ouais, des gosses, c'est peut-être un peu tôt encore. Hein. J'ai trouvé la personne avec qui les faire. Pour quelle raison veux-tu faire kiné? Parce que c'est une profession qui est dans la santé, mais qui n'est pas en contact direct avec le sang. Parce que qui veut? Pas moi. Et il y a tout ce côté relationnel avec le patient, ça fait un peu, je sais pas... J'aime bien l'esprit salon de coiffure du cabinet de kiné, vous voyez ce que je veux dire? Genre au bar du quartier, je sais pas. Bar du quartier, non, c'est peut-être un peu abusé. PMU du coin. Dernière question. Un avis sur les religions, particulièrement le judaïsme? Bah moi je suis athée.